Vamos, Lange, vamos, Lange. Thank you.
quand nous sommes dans la lumière, dans la lumière automatique, donc le fond passe dans le fond. Ils sont arrosés, hein. Abusés, attention. Donc le rebond, attention. Voilà. On revient. The national anthem of the divisional officer of FACO, who is representing the state of Cameroon at this moment, fully recognize the presence of other authorities accompanying him. We have the regional delegate of sports and physical education. We equally have the divisional officer of LIBE 2, the host subdivision representative of His Excellency the Ambassador of the Kingdom of Morocco, and equally the head of delegation for this football encounter.
Have a seat. The governor of the Southwest region. It's accompanied there by high-level regional command staff of the Southwest region. Thank you.
Anas.
commence bien. Commence vraiment bien. On commence bien. 5-7 minutes. Vous êtes confiant, on commence bien. On ne met vraiment pas en doute. Mais après, nous, on les met en confiance. Après, c'est nous qui leur mettons en confiance. Les erreurs d'appréciation, les erreurs d'amorti, les erreurs de passe. Et tout ça, c'est individuel. Mais sur le plan collectif, moi, je vous dis, je ne vous en veux pas beaucoup. Oui, je ne vous en veux pas beaucoup sur le plan collectif. Mais sauf que, au niveau de notre entre-jeu, là dans le milieu terrain, il y a un véritable problème. Les colos, Zé, ils sont tous sur ces deux. Sur la motion, les colos, Zé, non, on n'aide pas. On n'aide pas. Et ce n'est pas nous de lever immédiatement. Ça commence avec le pouce, hein, à la première minute immédiatement. Le gars qui devant toi, nous on est derrière, on dit, hé, hey, défends-le. Non, il faut que ça quitte très vite. Il faut que se réveille très vite. Et il coule aussi. Non, pas parce que peut-être que la transition normalement doit se faire de toi. Avec ta technique, avec ton agilité, on croyait que ça devait passer par là. Mais on a plongé. On a plongé, on a délaissé le ballon, on les a laissé même le ciel. Et sinon, vous-même, vous avez senti que. Non, pour que nos attaquants se disent, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut qu'on les alimente. Il faut qu'on les donne des bons ballons au pied. Il faut qu'on les mette en exerce. Et ça peut se passer qu'avec eux. Regardez notre premier but pour moi. Ça se passe pour moi. Même le ballon, même la première occasion que Bassokop, il tire sur le gardien, c'est le ballon juste que vous avez joué pour que ça arrive. Incroyable. En nous, oui, on fait des ballons inutiles. Les erreurs de blocage, le ballon vient de la tête, mon frère, et puis ça rebondit. Non, on va jouer autrement en deuxième étape. En deuxième étape, on va jouer tout à fait autrement. Maintenant, comme je vous ai dit avant la réunion, c'est lui que le match va se faire, ça va se lever là. Vous allez me donner raison. Et comme là, je vous ai dit, avec cette intempérie, on ne peut pas commencer à jouer comme ça. Et on a le deuxième parce qui, dans le jeu d'ensemble, c'est difficile. C'est individuel, trop individuel. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On perd de l'énergie, on perd sa lucidité. Il est bien vrai que nous, on est sur la qualité individuelle. Sur le côté, tout comme par exemple, ce que tu fais pour moi avec lui, c'est fantastique. Mais on ne peut pas tout le temps venir même dans notre propre camp et chercher à porter. Je veux que vous. C'est pas bien, parce que les gars sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Le 18 décroche, État le regard. Et c'est quand il y a un truc parti, qu'État veut raisonner avec lui. Et là, nous ne pouvons pas jouer. Si vous n'organisez pas comme le coach pour l'indication du ballon. Zone. Dans ma zone, je suis occupé. Et comment? Tu n'as pas vu des joueurs qui passaient dans ta zone. Tu les regardais, hein? Tu les regardais passer. Zen, tout à l'heure, nous sommes obligés d'appeler que Zen. Parce que tu regardais un joueur. Mais défensivement, il faut être présent. Ça, c'est un. Et deux, l'équipe en fait change énormément de rythme. Ils font des petits passe. Après, tac, ils déclenchent. Nous devons être aidés. Dès qu'il déclenche, il faut absolument couvrir. On ne peut plus aligner notre défense. Ce n'est plus possible. Il faut que quelqu'un couvre et les autres qui sont réellement en marquage. Le petit 18, un des hommes clés. Très, très mobile. Très, très mobile. C'est l'un des hommes clés. Parce que quand vous entrez sur un terrain, regardez aussi vos hommes clés. À partir de là, quand vous avez détecté vous-même les hommes clés, vous savez que, et alors, je ne lâche pas le 18 qui vient de temps en temps déranger l'état. Et parce que lui, en fait, il est l'électron libre de l'équipe. Hein. Ouais. Il est à gauche, il est à droite, il navigue et tout. Donc, c'est un homme clé. L'avance en le 9, il fait beaucoup d'appels en profondeur. Notre problème, c'est encore et surtout l'individualisme. Je vous ai dit, on est trop individualiste. Hein, petit? Sur le camp,
Dabe. Thank you.
Il est seul. Thank you.
Additional time, 4 minutes. Thank you.
plus quand on tombe comme ça à domicile, les 2-3, une grosse déception. La déception, moi, pas une déception parce qu'on a tout donné, on a fait une bonne préparation. C'est vrai, ça n'a pas été facile dès l'entame du match. On a un peu pêché sur certains détails que le coach a mis en pratique lors de la réunion technique, on n'a pas pu vraiment assimiler. Mais on pense qu'on a donné ce qu'on pouvait et les Marocains, le score est là. Donc les Marocains ont su être réalistes devant les buts. Allons là-bas. Ouais. Mon gars, parce que on tombe les jambes à la main à domicile. Ouais, c'était vraiment un match vraiment difficile. On ne s'attendait pas à la recette. On a vu la recette. Donc on a posé le ballon. Quoi. Et à un moment donné, ça a pesé sur nous. Il fallait qu'on arrive sur eux, sauf qu'ils restent sur place, attendre qu'ils fassent le jeu. Et ça a fait la différence. Alors, quelle était la consigne du coach à la mi-temps? Non, la consigne du coach, c'était de pouvoir se donner à fond et de pouvoir aller à 100% pour venir aux deux buts qu'ils ont marqués. Et là, on devait pouvoir produire notre jeu. On a pu faire à l'entraînement. Dommage, on n'a pas pu gagner le match. Et l'actualité en club, vous avez du côté de la Suède? Non, c'est du côté du Danemark. Oui. Aussi. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. Le championnat a commencé, je suis à 13 matchs. Pas de pas précisé. Et moi, je continue à travailler. Déjà, nous avons eu une bonne équipe dès la première match. En deuxième mi-temps, nous avons lâché. Donc, je dirais que c'est le foot. Donc, une équipe en première partie qui n'a pas pu résister. Donc, ceux qui sont entrés, c'est un beau foot. Donc, c'est pas marché. Donc, on va travailler pour que les choses soient plus bien. Alors, cette équipe, comment la vous-tu? C'est une équipe qui est franchement, je dirais, qui sont franchement en place, pratiquement. Donc, moi je dirais qu'on n'a pas su gérer comme il fallait, mais comme j'ai dit, c'est le foot, donc nous allons toujours travailler pour que les choses aillent mieux le prochain match. Comment s'est déroulé le stage, 6 jours de stage, qu'est-ce qui s'est déroulé pendant les 6 jours? Oui, déjà je dirais que nous étions à la trêve, donc c'était pas facile pour certains de nous, et trouver une équipe qui je crois qui sont encore en compétition. Donc ce que je dirais, c'est que pour certains, c'était pas trop physique ni avec le foot. Mais c'est pas une excuse quoi. Pour moi, c'est le foot, comme je l'ai dit. Nous allons continuer à travailler. Une rencontre facile pour toi? Une rencontre facile avec. C'était un match qui allait très vite. Il fallait se concentrer au début jusqu'à la fin, malgré les 3 buts que j'ai pris et quelques actions mal négociées. Bon, j'ai été là, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse, c'était mon job. J'ai essayé de ne pas prendre de but malheureusement, c'est arrivé. Bon, on peut avec ce qu'on a sur la même place. Aller à la mi-temps étant mené 1-2, qu'est-ce que tu as consigné à la fin? Le coach nous a demandé, avant même qu'on le joue, avant qu'on passe à la mi-temps, que le match va se jouer à 65 minutes. Et à la deuxième mi-temps, donc on savait que c'était la deuxième mi-temps qu'on devait faire le jeu. Et bonne deuxième mi-temps, mais malheureusement, après on prend des bourses, des petites négligences, et maintenant, le faire et là, on perd 3 buts à 2. Donc, c'est le coup. C'est bien. Donc, tu avais quand dans la dernière? Hein? Tu avais quand? Il est arrivé quand? Il est arrivé lundi. Il est arrivé lundi. Vas-y. Laisse aller. Tu as beau passer ici. Il est présent d'abord. Oui, non, tu te présentes, tu es habitué. Bonsoir d'abord, moi c'est Didier Lamkelzé de Nyon en France Ligue 2. Et bon, je viens te parler du match. Pour un début, c'est bien parce qu'on ne se connaissait pas bien. Et ça fait 3 jours de cela. J'ai appris à connaître mon côté 2 séances d'entraînement. Et je crois que pour un début, c'est intéressant. Maintenant, quand on fait à domicile, on pense que ça n'a pas envoyé des effets. La première question est à tomber les armes en avant. Il y a eu un espoir. Oui, c'est une défection. Mais qu'est-ce qu'on va faire sur le foot? On va seulement se mettre sur pied et on va continuer à travailler pour les jours à venir. J'espère que pour les jours à venir, on aura plus de jours, plus de temps de se connaître et de travailler. On a pensé à quoi? Quel but? Tu t'as fait pleurer là, en défense. Otia. Aujourd'hui, on perd à domicile 1-2. On est déçu. Ouais. La performance today was not really good. As you can see, we just had only 1 week of training. It was not easy.
because many people are coming from the outside. From outside, in terms of collectivity, we were not good. So I think we are not happy with our performance. We are not happy with our performance this afternoon. We are not happy. No. Ouais. Bon. Coach, pour ce match amical international, vous réussissez à battre le Cameroun et sur vos installations, 3 buts contre 2. Et rencontre facile, coach? Non, pour nous, ce match rentre dans la préparation de cette équipe pour les prochaines éliminatoires. On est venu pour jouer un match qu'on savait que ça ne va pas être facile. On a de bons joueurs. On est percutant en attaque, on se crée beaucoup d'occasions, mais on ne marque pas beaucoup. Mais le fait qu'on marque 3, ça a été suffisant pour gagner ce match. Mais il y a des phases de jeu où on perd concentration et on encaisse. Ça, c'est très important pour nous, pour travailler ce point-là. Et je pense que l'équipe camerounaise n'a pas démérité, mais on était solide derrière avec les changements qu'on a effectués. C'est ce qui a fait qu'on a pu gagner ce match. C'est très important pour nous, pour le moral. D'accord. Et je voudrais aussi remercier l'arbitre, le trio. C'était bien. C'est très important pour le foot. Je pense qu'il y avait de l'engagement physique, il y avait des duels, mais ça restait dans les normes. Vous remerciez le trio pour la victoire ou bien pour leur prestation? Pour quelle victoire? La victoire du Maroc. Nous avons fait un but. Alors, non, il dit que le trio a bien joué. Il a bien joué, voilà, donc, il a protégé les deux équipes. Voilà. C'est très bien pour le jeu. Personne ne s'est blessé, il y avait le contact, il y avait tout, mais c'était dans les normes du jeu. Et on remercie le peuple camerounais qui nous a reçus, la fédération camerounaise. On espère bonne chance pour cette équipe-là. Vous dites qu'on préparait les éliminatoires. Est-ce que vous connaissez déjà vos adversaires? Le premier match des éliminatoires, vous allez le jouer quand? Non, pas encore. Le premier match des éliminatoires, c'est pour juillet 2017. Oui. Mais cette équipe-là, parce qu'ils ont déjà jouer les éliminatoires des Jeux Olympiques et on garde l'ossature et on essaie de renforcer l'équipe avec des jeunes joueurs pour préparer la prochaine chance. Vous avez quelques joueurs dans votre équipe qui jouent la Botola, qui jouent le championnat? Tous les joueurs, division. Tous les joueurs là sont de la Botola. Oui. Tous les joueurs qui sont ici, oui. On a des joueurs qui participent avec leur club dans la Ligue des Champions et dans la Coupe de la CAF, qui ont été éliminés en demi-finale, mais on a des joueurs qui ont de l'expérience, on a de bons professeurs. Comment avez-vous trouvé l'équipe du Cameroun? J'ai déjà répondu. Le partenaire, le partenaire. Mais je pense qu'aujourd'hui on a vu deux équipes vraiment jeunes qui ont produit du beau jeu. L'équipe marocaine, on savait au départ que c'est une très belle équipe avec des joueurs sur le plan individuel et collectif vraiment très affûtés. Remonter deux buts dans une phase de match comme cela, c'est ça qui est, n'est-ce pas, la satisfaction chez moi. Parce que mes jeunes ont démontré une fois de plus qu'ils avaient le moral, le mental bien travaillé. C'est pour cette raison que revenir à 2-2, et dommage que, n'est-ce pas, à la fin, on prend un but sur un coup de pied arrêté. Mais je pense qu'on est sur une très bonne voie pendant ce temps de travail. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce stage? Ben voilà, la satisfaisante, c'est ce que je dis, de multiplier des stages de ce niveau et faire jouer ses enfants pendant la période FIFA. Je crois qu'il va falloir vraiment saluer, n'est-ce pas, l'effort qui est fait par la fédération. Parce que là, chaque fois, on est en train de pouvoir trouver un match pour ces jeunes. Et à travers ce match, on trouvera vraiment un noyau très dur qui pourra préparer, n'est-ce pas, la chaîne de nos visées. Vous avez regardé quelques-uns de vos éléments. Quelles sont les satisfactions pour vous sur le plan personnel de certains joueurs que vous avez regardés pour la première fois? Ben individuellement, je pense que les joueurs qui sont venus du côté de la diaspora, comme Bassogok, Zélamkel, Alégué, nous ont vraiment beaucoup apporté, nous ont donné vraiment une belle leçon à comprendre que sur le plan individuel, sur le plan tactique et technique, ils sont très bien affûtés. Ils ont démontré cet après-midi vraiment qu'ils peuvent aider le groupe. C'est pour cela qu'il est question pour nous de donner la chance aux enfants qui sont à la diaspora, les faire venir ici au Cameroun pour qu'ils puissent se frotter aux autres. Comme ça, ça va nous permettre de juger de très près. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut être satisfait d'avoir convoqué ces joueurs. Merci, monsieur.